Alors, on est parti pour la 1.0.1 de Neo Duel Batch Pack Monster. Du coup, j'ai déjà joué à la démo et le jeu est sorti. C'était le 30 septembre. Donc, on va voir ce que ça donne en vrai. Hein. On va voir ce qu'ils ont rajouté, s'ils ont rajouté. Il me semble que ce que j'avais reproché, c'était le manque de quality of life, genre de petits détails, un peu comme il y a sur Batch Pack Battle, parce que c'est un peu le même genre de jeu en fait. On va voir s'ils ont amélioré ça. Maintiens la souris, clic gauche pour déplacer les cosmions. Passe la souris sur un cosmion pour voir les détails le concernant, dégâts, temps de recharge, consommation d'énergie, précision, leur pouvoir unique. Appuie sur clic droit de la souris et tue pour les faire pivoter, ok. Je me souviens plus en fait, c'était quoi que je reprochais exactement. La plupart des cosmions peuvent fusionner avec d'autres. Tu peux découvrir leurs conditions de fusion sur le côté gauche de leur infobulle. Place les cosmions requis sur des cellules adjacentes, les connettes. Ils fusionnent alors en un plus puissant après le duel. Attends quoi? Leur infobulle à gauche. Fusion possible, conditions de fusion, essence feu, résultat de la fusion, mirafeu. Ah ok, donc on sait à l'avance en quoi ça va fusionner. Ok, c'est intéressant. Et ça, c'est quoi? Ah, c'est nos trucs globaux. Ah, c'est sympa ça. J'aime bien. Pourquoi je suis une meuf? Moi, je sais pas. Est-ce que c'est important? Non. Ah bah tiens, j'ai essence feu avec ça. Et ça, du coup, ça donne rien de spécial. Ouais. Donc on peut par exemple faire ça. Donc là, on aura un mire à feu. Mais on sait pas. On sait pas. On peut pas voir. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. On peut pas voir, genre, un mire à feu. Qu'est-ce que c'est exactement, genre? Non, c'est pas ça. Claudette, peut-être? Cosmion. Ah, peut-être là, non? Mira. Mirafeu, peut-être. Il n'y a pas Mirafeu quelque part, genre. Mirafeu. Ok, c'est juste. Toutes les 2 secondes, inflige un dégât et brûle un. Ok. J'ai combien de thunes? 8. Pedro. Consomme 0,5 de moins. Lien. Lien, c'est quoi? On sait pas. Je suppose que c'est. Non, je sais pas. Drib. Lien. Ah si, lien, c'est ça. Ok. Pour chaque lien, du coup, il consomme 0,5 de moins. C'est pas trop mal en vrai. Fait pas mal de dégâts. Je pourrais peut-être l'acheter. Pline ne consomme pas d'énergie. La musique est trop faible. Les cosmions attaquants consomment de l'énergie à chaque attaque. Le duelliste génère par défaut 2 d'énergie par seconde. Après, du coup, ils consomment 2 de moins, quoi. Après, on est quand même à 5. Ça fait peut-être beaucoup. Vas-y, on va commencer le duel. On va voir. Oh là, c'est trop fort, par contre. Je perds. Duel perdu. Ah, il a acheté les 2 trucs. Moi, j'ai acheté. J'avais la même. Je pouvais acheter la même chose. J'ai décidé de ne pas le faire. Pendant un duel, tu peux regarder le journal. Ok. Pourquoi je peux pas le mettre?
Ça coûte combien? Ça coûte 2. Obtient un thune en plus à chaque étape. Comme ça. Ça fait qu'en énergie, je suis pas trop mal. Faire un reroll. Avoir un deuxième Mira, mais est-ce que ça me sert à quelque chose? Il me faut un Kepre-feu. C'est quoi un Kepre-feu? Un Kepre-feu. Ah, c'est ça, Kepre-feu. Est-ce qu'elle y est en nature? Ouais, elle y est en nature. Donc il me faut un truc de feu plus ça, logiquement. Sauf que là, je l'ai pas. Merde, je voulais pas faire ça. Bah, du coup, en vrai, il faut que j'achète ça. Port dur. Diminue la précision du costume adverse. Pas mal, ça. Combien de thunes, 3? Gagne 2 flux. Ah, c'est utilisé par certains, mais je l'ai pas, quoi. J'en ai pas besoin. On a qu'à le lancer comme ça, hein. J'ai une petite, un petit problème d'énergie quand même. Je me fais éclater. Je me fais éclater. Choisir un bonus, feuille pas chère. Les cosmions coûtent une feuille de moins. Comment ça une feuille? Il y a 10 flux. Renvoie 10% du dégât que tu reçois d'un cosmion attaquant. Ça a l'air fort ça. Ah tiens. Ça fait quoi du coup? Gain 5 boucliers. Ressources qui génèrent tes qui régénèrent tes PV. Peut-être lui c'était pas un bon bail de l'acheter. Hein. C'était pas du tout un bon bail. Mais je crois que je vais refaire comme ça. Hein. Je vais me retaper une défaite, quoi. J'ai une 30 boucliers. C'est pas mal, ça, quand même. Que ce soit lié à quoi? À un truc de terre. Ah. Pose 4 dégâts au début. Le truc, c'est que... On a qu'à lancer comme ça. Je sais pas. Je sais pas ce que je dois faire en fait là. J'essaye de faire une fusion mais je sais même pas ce que ça va me donner. Je vais baisser encore la musique. C'est chiant que la musique elle soit pas la même intensité en combat que... Je vais perdre encore, putain. Je me fais éclater.
Ok. Consomme 4 pour gagner 1. J'ai pas de flux, on est d'accord. Ok. Ah ouais, je pourrais reprendre ça éventuellement. Ça fait quoi avec, avec le stonk? Protect. C'est dommage que tu puisses pas accéder facilement à ce que donne la fusion, tu vois. Je suis obligé d'aller là et chercher là-dedans manuellement pour savoir ce que ça donne. C'est un peu dommage. Et du coup, c'est giga chiant quand tu connais pas. Quand tu connais pas ce que ça donne. Puis quand tu connais ce que ça donne, du coup, t'as pas besoin de chercher. Du coup, c'est un peu mal foutu ça. Protect. Ouais, vas-y, putain, mais il y a trop de mobs aussi là. Comment tu veux que je sache que. Bon. On a qu'à essayer, j'ai envie de te dire. Merde. Truc comme ça. C'est mon truc qui est pas bien mis quoi. En fait, faudrait peut-être que je fasse ça et ça plutôt. Ce serait mieux. Peux avoir tellement de tout en fait, c'est un peu bizarre quoi. Enfin, bizarre. C'est bizarre quand tu connais pas, tu vois. Parce que du coup là en fait je suis perdu. Je suis perdu. Ouais, mettre là ou là, ça change pas grand chose en fait. On a que le goût comme ça. Hein. On va partir sur 5 défaites de suite là. Au secours. Ouais, je vais encore perdre. Hein. En fait, j'arrive pas à savoir qu'est-ce qui. C'est quoi le problème? Je pense que j'ai pas assez de dégâts, j'ai l'impression. Mais bon. Oh, j'ai gagné, incroyable. Protect. Gagne 25, ok. Bon alors attends, comment je peux faire? En fait, il me faudrait plus d'emplacement aussi, quoi. J'en ai pas assez là. Ça, faut que ce soit lié à des trucs de terre. Est-ce qu'on a des trucs de terre? Non. Ah si, on a ça. On a juste ça, quoi. Ça, faut que ce soit lié à des trucs de feu. En truc de feu, j'ai quoi? J'ai ça, ça, et c'est tout. Typiquement. Et ça, faudrait que ce soit lié aussi à ça. Du coup, en fait, je peux faire comme ça, par exemple. Comme ça fait une petite synergie. Ensuite, ça, on s'en fout. On va déjà mettre ça comme ça. Et donc là, il me faudrait... Zap essence rare. Essence de quoi? Essence électrique, du coup. Ah, je peux en avoir un autre comme ça. Ça évolue ça? Non. J'ai l'impression que c'est dur à trouver les emplacements d'inventaire en plus. Ah tiens. Faudrait-je mettre lui là-dedans? Comment je peux faire? Parce que si je le monte, du coup, ça. Ou alors je monte tout. Ah, mais il est pas dans le bon sens, quoi. Ça reste mieux comme ça, je pense. Hmm.
Ouais. Bah écoute, on va le go comme ça, je sais pas. Là, je fais des dégâts quand même. Et je gagne. Nice. J'ai perdu 3 vies quand même. Oh, let's go ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Inflige 1 lorsque le quotient lié est déclenché. C'est pas mal ça en vrai. Faudrait que je mette un truc là, quoi. Ça évolue pas non plus. Hein. Gagne 2 clarté et 2 énergie. Donne 3% de chance critique pour chaque 10 buffs que tu as. Essence aura. On peut faire un Léviathan. C'est fort, non? Ça doit être fort, Léviathan. C'est dans quoi? C'est dans la flotte. C'est là, non? Ah, Léviathan. Ouais, c'est juste la version améliorée de ce que j'ai, quoi. Après, ça reste bien, hein. Bah go, hein. En énergie, on est bien maintenant. On est bien là. En fait, le seul problème, je trouve là, enfin, le problème que j'ai, c'est que je trouve que je me rends pas moins facilement compte de qu'est-ce qui fait quoi en fait. Et je pense que c'est notamment les effets visuels sont pas assez mis en valeur, je pense. Clarté. Boost de 3% les dégâts critiques. J'ai un truc qui me donne de la clarté. Pourtant, tu vois, tu as des indications et tout, mais je trouve que c'est pas assez. Il y a une deux boucliers chaque fois que les cosmos attaquent. Pas mal ça en vrai, non? Je sais pas. Gain 6. Gain 10 au début. Ah, ça a pas marché, attends, pourquoi? Ah, il me faut zap en plus, merde, je pouvais l'avoir zap en plus. J'avais pas capté qu'il fallait les deux. Oh, je suis deg. On peut pas le faire évoluer lui, non. Ouais. On a zap, tiens. Ouais, ça peut être sympa, ça peut-être, mais bon. Faut pas le placer, quoi. Ou alors je le mets là. Mais lui, il m'enlève de l'énergie de fou, non? Ou alors c'est ça qui m'en enlève? Je crois que je vais perdre. Ah, quoi que. Ah non, gagne. C'est pas assez visuel, je trouve. Le problème, c'est que j'ai personne qui synergise. C'est visuel.
Un buff aléatoire. Là, il me faut des liens en fait, c'est ça le problème, quoi. C'est que j'ai pas de lien de terre, quoi. Je trouve rien qui va avec. Il me reste 3, il me reste 3. Lui, il se met des épines. Moi, je mets beaucoup de debuffs quand même. Hein. Par contre, en énergie, j'ai l'impression que c'est pas évident, quoi. J'ai l'impression qu'on est fort quand même. Quand je vois un peu ce qu'on met là, 400 points d'écart. Inflige 2. Cloud Air se déclenche 10% plus vite. Merde. Comme ça. Ah! C'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. Ok, alors attends. En fait, faudrait que je le mette là. Mais du coup, lui, faudrait que je le mette là. Mais du coup, lui, faudrait que je le change, peut-être. Il faudrait que je fasse ça, quoi. Comme ça. Pas trop mal en vrai. Il me reste combien de thunes? 11. Est-ce que j'achète ça? Putain, faudrait que je réarrange tout, mais en même temps j'ai la flemme. J'aimerais attendre de rajouter quelque chose pour que ce soit rentable, quoi. Je crois que je perds contre lui. J'ai l'impression qu'il a de la régène et du coup ça me... Ah, quoi que... En énergie, je suis pas bien quand même. Hein. Il me diminue ma précision. On fait un combat d'aveugle, mais je gagne quand même. En fait, je mets vraiment beaucoup de debuff. Hein. Oh, c'est bien ça. Maestod. Gagne un dégât pour chaque acide, brouillard et pluie en duel. Pas mal en vrai. Dans le tuyau en dessous pour les vendre à moitié prix. On peut le réserver. Attends. Parce que du coup, là, qu'est-ce qui va avec quoi? Ça va bien avec ça, notamment. Parce que ça génère du brouillard. Donc, ça va augmenter ses dégâts. L'Éviantant, ça va bien aussi, vu que ça donne de la pluie. Donc, l'Éviantant, il faut qu'il soit. Il consomme pas d'énergie, lui. Qu'est-ce qu'il consomme de l'énergie, en vrai? Il y a lui et lui, quoi. Oui, c'est ça, tu peux pas inverser ça. Ça, c'est un peu chiant, je trouve. Sur lui, ça sert à rien, par contre. Mais sur lui, lui non plus, ça sert à rien, en fait.
Ça va là. Comme ça, lui, il a ses deux liens. Lui, il lui faut quoi comme lien? Il lui faut n'importe quoi. Je pourrais mettre ça, par exemple. Et ça. Voilà, comme ça, lui, il a des activations. Lui, il lui faut... Il lui faut un truc que je n'ai pas. Ensuite, lui, il faut qu'il soit près de ça. Il faudrait le mettre là-dedans. Ça, c'est chiant, tu vois, que tu puisses pas remplacer comme ça. Comme ça, du coup. Il faut qu'il soit lié, genre, à des trucs comme ça. Faire genre ça et ça, non? Ouais. Faudrait que lui soit là-dedans, quoi. Comme ça. Ah mais du coup, eux, je les mets pas au bon endroit, quoi. Fait chier. Non, c'est pas ouf comme ça. Ça claque de l'énergie aussi. Lui, il claque de l'énergie aussi. En fait, peut-être que ça, je le vire. Hein. Ah, lui, il fait plus mal que lui, en fait. Un truc comme ça. On a qu'à tenter comme ça. Se faire ch... What the fuck? Pourquoi il a tué ça lui? Ça a l'air nul son truc. Pour chaque deux potions nature, gagne un pic, la guérison supplémentaire devient bouclier. Neutralise les 10 prochains debuffs. Ça m'a l'air bien, ça. Bon, du coup, il me faut quoi? En fait, le problème, c'est que eux, je pourrais pas les mettre vraiment ensemble, quoi. Lui, il lui faudrait des trucs comme ça. Ça faut que ce soit là-dedans, quoi. Non, mais le problème, c'est que pour tout décaler, c'est giga chiant à faire, en fait. Mettre ça ici plutôt, décaler ça de 1. Faire ça. Pas trop mal. On a tellement de thunes, par contre. C'est une dinguerie. Ça, c'est pas mal en vrai. Maintenant, comment je le cale? Je suis pas sûr de le caler en fait. Si je décale ça de 1, le problème c'est que lui, du coup. Ou alors je décale ça ici. Mais ça ici.
Et si je mets ça ici, en vrai, est-ce que c'est pas mieux? Du coup, lui, il en a qu'un, mais c'est peut-être moins grave. C'est peut-être moins grave comme ça. Ouais, peut-être. J'avoue que j'en sais rien. Plus 27 dégâts alors tu assommes ton adversaire. Ça peut être pas mal ça en vrai. Je pense. Pourquoi j'ai autant de... Ah non, j'allais dire pourquoi j'ai autant de vie, mais je pense que lui il a la même nombre de vies, c'est juste que sa vie baisse beaucoup plus vite quoi. Et en fait, tu vois, c'est trop dur de se rendre compte, genre... En fait, y a plein de trucs différents. Et visuellement, c'est pas... C'est dur de s'y retrouver. Du coup, t'es pas en mode, waouh, je fais un truc de fou en faisant un truc comme ça. Genre, t'en sais rien, en fait. Un truc d'eau. En eau, j'ai quoi? Ouais. On aurait bien ça, mais en même temps, ça m'a pas l'air d'être giga utile, quoi. C'est un peu... En fait, c'est pas assez... pas assez clair, je trouve. Je le compare toujours à Backpack Battle. Je sais pas, dans Backpack Battle, je trouve que c'est plus simple de s'y retrouver, tu vois. Même si là, tu vois quand même le cooldown des trucs et tout. Pas, ou alors c'est juste une question d'habitude des sorts et tout, je sais pas. Peut-être aussi le truc c'est que genre dans Backpack Battle ce que tu utilises c'est genre tu sais des boucliers, des épées, des armures et du coup en fait visuellement c'est plus distinct que là où alors certes c'est distinct les designs de tout. Mais en même temps, c'est pas des trucs auxquels tu peux te retrouver, tu vois, c'est pas des trucs qui existent en fait. Donc à partir de là, c'est pas un truc que tu vas reconnaître en mode ah oui, ça je sais ce que c'est, tu vois. En vrai, c'est peut-être ça. Ça me paraît être une explication pas trop mauvaise. Et du coup, oh. Ah merde, ça prend cette place. Ah merde. Ouais, bah du coup, dégage, non? Je le mets où, lui? Je le mets pas. Là, j'ai 3. Je vais le caler quelque part, en vrai. Mais tellement de debuffs, en vrai, c'est une dinguerie. Hein. C'est une dinguerie. Ça fait quoi, ça? Chaque caution de terre. Peut-être ça, faudrait que ce soit genre comme ça, tu vois. Ça, c'est pas trop mal. Pas mal ça aussi. Rajoute un peu des trucs comme ça, par-ci par-là. C'est marrant parce que j'ai l'impression, tu sais, d'avoir...
des petites synergies, mais genre de 2-3 trucs différents, au lieu d'avoir une seule et même grosse synergie, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est super fort, quoi. Légendaire. Pour chaque brûlure. Ah, typiquement, ça irait bien avec... c'est lui qui met des brûlures. Mais du coup, faudrait peut-être que je vire lui. Mais est-ce que je gagne en dégâts en faisant ça? Peut-être. En bref, je mets quand même pas mal de brûlures. Le problème, c'est qu'il faut que je le place, quoi. Ah bah nickel ça. Ah mais je le mets où? On a qu'à le mettre là. Ah mais merde, il rentre pas quand même en fait. C'est chiant. Putain, je vais devoir décaler mais je peux pas. Ouais non, je peux pas mettre ça. Mais ça change rien de faire ça, parce que ça, je peux pas le mettre là, putain. En train de tout casser. Ah bah oui, mais toujours pas, en fait. Peut-être que ça et ça, c'est un peu de la merde aussi, mais... Mais d'un autre côté, ça a l'air d'être bien quand même. Le truc, c'est que c'est dur de décaler, quoi. J'ai plus de thunes. Comment je peux faire? Faut que je vire un truc, quoi. Quoi qu'en vrai, si je fais ça, genre. Et que je mets ça ici. Ensuite, je peux monter lui. Et mettre ça ici. Ok, c'est pas mal. Voilà, nickel. Et je vais vraiment... Là, je suis à 30 brûlures. Et c'est quoi? C'est gagne des dégâts pour chaque 2 brûlures et bidule sur l'adversaire. On est à 32 dégâts, là. Ah, ça, on voit vénère. Hein. Ah, zone bouclier. Est-ce que ça vaut le coup en vrai? Ouais, après ça, je le mets nulle part du coup. Quoique aussi, comme ça. Ah, c'est pas mal. Faire ça. Nickel. Lui, ça vaut pas le coup de le mettre, je pense. Ça, c'est pas mal en vrai. En reprendre un, franchement. Le seul problème, c'est que ouais, c'est pas non plus une dinguerie de le mettre ici. Ouais, ça va. Lorsque l'adversaire a moins de 50% de PV, augmente de 10% son nombre de flammes. Oh, c'est incroyable! Mettre ça ici. Là, on a plus de synergie feu quand même. On met pas beaucoup de debuff, je trouve. Après, j'ai le truc qui m'immunise aussi. Neutralise les 10 prochains debuffs, c'est assez fort, je pense. Hein. L'adversaire à moins de 50%, affiche 50% de dégâts en plus. Ah, c'est sympa.
Ouais, là, typiquement, je sais pas trop ce que je veux rajouter, tu vois. Il faudrait peut-être que je trouve de quoi réarranger, mais en même temps, c'est pas évident. Donc, peut-être ça, je pourrais le virer. Ça me donne 25 de bouclier, mais c'est tout, quoi. C'est pas non plus énorme. Ouais. Ouais, ça coûte pas de d'énergie, ça, donc je peux le mettre. Hein. En vrai, je le mettrais bien tout de suite, mais c'est compliqué à caler. On va attendre. En espérant qu'on perde pas à cause de ça. Il a pas l'air mauvais lui non plus. Mais c'est pas suffisant. Ça, ouais, en vrai, il me reste 800 PV quand même à la fin. Pas mauvais, mais il me reste 800 PV quoi. Le problème, c'est que lui, je le. Enfin, en fait, ça prend trop de place quoi. Je sais pas si ça vaut le coup. Ça vole un. Je suis pas sûr que ce soit rentable. On va mettre ça à la place quoi. Est-ce que je peux le foutre ailleurs? Pareil compliqué. Et sinon je le mets comme ça, non? On va faire ça. Mettre ça ici. En vrai, ça c'est useless. Pourquoi je le garde? Récupération d'énergie. On s'en fout. Bon, on a qu'à prendre ça. Ouais. Il a l'air de soigner, lui. Il a pas l'air mauvais. Après, ça baisse quand même pas mal. En vrai, c'est juste trop fort. Eh ben, c'est un first try. Fin du tournoi. Elo gagné 104. Ah, c'est ça, l'Elo, du coup. Enfin, j'ai perdu 3 parties, puis après, on a fait que gagner. Et du coup, c'est quoi? En fait, ça, c'est pas clair non plus. 504, c'est quoi? Classement. Mondial 569. Ça veut dire quoi? En fait, ça manque de clarté le jeu, je trouve. Dans l'ensemble. Moi, c'est un peu ce qui me bloque dans le fait de continuer un peu le jeu, tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est très cool, mais c'est pas assez clair pour que ça me donne envie de. Parce que si ça prend la tête à essayer de comprendre. Ce qui se passe et tout, et c'est dur en fait de. Même en essayant, c'est dur de déceler qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui va pas, etc. Mais bon, je pense que ça peut peut-être plaire à ceux qui ont joué à Backpack Battle, ça fait une alternative quoi. À voir aussi comment le jeu évolue avec les mises à jour. Voilà, pour l'instant. J'attendrai, enfin moi je vais attendre avant d'y rejouer, mais je pense que je garderai un œil dessus quand même au cas où.
Du coup, bah, j'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes.